Yosh, salut tout le monde, c'est Camille pour un nouvel épisode, le 10e, on joue à Baldur's Gate. Oui, bien sûr. Et j'ai oublié de me changer de channel, c'est pas grave. Bon, on va les suivre. Normalement, les 6 sont là. Oui, j'ai oublié de me changer de channel sur le TeamSpeak, en fait. Bon, vous en foutez, c'est ça? Bon, y'a personne, c'est cool du coup. Bon, bah... Voilà, tout le monde va arriver là. On a bien débloqué la carte quand même, ça c'est sympa. Et c'est pas le nain le plus lent. Alors, allons. Ici. C'est fait. Oh là là là, c'est quoi encore cet endroit? La carte fait quelle taille? Oh, elle est encore super grande. Ah bah tiens, on va aller voir là. On va commencer par le coin, du coup. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'exploration. Et moi qui ai des gros tocs... Pardon. Il faut que je... faut que je déverrouille toute l'île de la map à chaque fois. Moi, j'aime bien tout voir. Tout voir, tout entendre. Oh. Bon, bah, on va faire ça simple. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Oh, il y en a combien de ces cons-là? Oh, putain. Pour ceux qui ont péri. Oui, c'est fait. Vous êtes une bien étrange personne. Je vais mettre les faiblards derrière, parce que, putain... Le nain s'agère. Qu'est-ce que vous voulez? Pour l'instant. Et maintenant, que se passe-t-il? Je voulais un projectile. Hein. On va commencer à taper les projectiles plus loin. Quoi? Toi aussi, tu vas faire ça? Pour ceux qui ont péri. Et maintenant où? T'es sérieux? Je lance quoi là? Il va en toucher glacial, je veux pas faire le toucher glacial. Le serviteur de Dame Nature. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Oui. Vous avez remarqué que je m'en sors quand même un peu mieux. Oui. Madame, vous pouvez être l'auditeur omniprésent. Ouf. Ok. Et maintenant, bon, bah, on va tout s'arracher celui-là maintenant. Waouh! C'est fait. Bon, la dernière fois on avait vendu. Et maintenant où? Allez, vas-y. C'est ici. Fait. On re-switchera après, hein, on regardera. Ok. Normalement je les ai tous là, à part un évidemment. Ah ouais, du coup j'ai vraiment plus de place, putain. Alors... Si j'ai tué toutes les merdes, c'est quoi ça? J'aime. Un parchemin. Copie. D'accord. Du coup, tiens, vas-y. On va faire un peu de place. Ça c'est quoi ça? Toucher glacial. Ça c'est quoi? Identification, important ça. Et ça c'est amitié, d'accord. Toi, tu vas toujours là. Voilà, tiens un bâton. Ok. Alors, bah tiens, on va récupérer juste ça. Putain, j'ai tellement d'un truc dans l'inventaire hein. Ok. Ah, tiens, tout ce qu'il y a. Ah merde. Vous êtes une bien étrange personne. J'en ai assez.
Alors, il n'y a pas rien par terre, elle? Ah, bon, je vais dégazer Martin. Oui, une tâche facile. Qu'est-ce que vous voulez? Par ici! Voilà, tu récupères flèche, arc, bon, tu récupères tout, on analysera après. Ah, un joli collier. Alors, et on récupère tout le monde. Une tâche facile. Mais tu es bien trop lourde, d'accord. Quoi? Oui, bah quoi, fais pas la surprise. Ah ouais, t'es bien trop lourde. 52. Ok. Voilà, le nain est juste dans l'orange. J'avais pas vu les PV. Un PV. Bah on va se reposer hein. Donc qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ça, mais tu peux le dégager. Par terre, voilà, seul. Toi tu es rien. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Ça c'est l'arc court. Ok, et là j'ai l'arc court. Et là c'est un. Ouais, ah, je vais regarder lequel celui-là. Donc c'est que des arcs courts. Flèche. Et flèche. Le collier. Qui sert à rien. Martine. Tu as l'inventaire plein. J'ai trop. Ça coûte rien en plus là, mais. 98, bon, on s'en fout. Collier, j'en ai déjà un. J'ai quoi comme collier là? Collier d'argent. Et toi, tu as le collier orné de gemmes Zoïs. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu auras un joli collier. Je te trouve super pratique, toi. On va se rater. On va se reposer comme ça. Ah oui, non, mais là, j'ai perdu trop de PV. Il faut absolument que je les en récupère. J'ai pas envie d'utiliser de popo, alors... Allez! Et maintenant, où c'est fait? Ça pue le piège, hein. Et vu que ça pue le piège... 4, t'as même pas foutu. Je veux pas parler. Pourquoi moi? Bah... Ah, t'as récupéré? Ben non. Voilà. Allez, enquiquiner quelqu'un d'autre. Ah, oh, fichtre. Amulette. Bah tiens, l'amulette. Voilà. Ça, c'est quoi, ça? J'aime. D'accord. Oui, une tâche facile. Ok. Il n'y a pas eu de piège, c'est bizarre. Attends. Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève. Oh la vache. Pour ceux qui ont péri. Et alors, je lui ai... Bon, je vais arrêter de prendre du coup ça parce que ça m'encombre en fait et c'est juste trop chiant. Ça coûte 1. Qui a perdu TP? Ah oui, on va faire un petit repos. Je pense que ça va être utile. Hein. Oh, et puis on est de nuit. Donc je vais récupérer flèche, arc je m'en fous. Et sur le deuxième, les sous et un slip, je m'en fous. Même avec l'infravision, je préfère la lumière du jour. L'infravision, la vache. La vision dans le noir quoi. Tiens, on est deux nuits dans un truc. Oh
Oh putain, tu m'as fait trop peur, le pigeon. Putain, au final, on... Ne me touchez pas. Alors. Je risquerais d'attraper quelque chose. Seigneur présage. Ne rajoutez pas la couleur locale. Quel habit portez-vous là? Il faudra que j'arbore le même costume la prochaine fois que je participerai à une réunion du seigneur Ribald. Je serai le sujet de conversation de pas divers, c'est sûr. Dois-je en déduire que vous venez de si loin? J'ai entendu parler de ce coin, mais je doute qu'il existe. Ces choses ne m'intéressent pas. Avez-vous des informations sur la zone au sud de cet endroit? Ouais, dois-je en déduire, vas-y. En fait, j'arrive d'eau profonde. La grande ville de... Pardon, des splendeurs a satisfait mes goûts particuliers par son luxe. Je mets un point d'honneur cependant à retourner à Pas d'Hiver, bien que je n'y ai séjourné qu'une fois. C'était très prisé en ces nuits, si je me souviens bien. Je ferai un second voyage l'année prochaine et je parie qu'il sera encore réussi. Eh bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Il y en a encore toute la map là à voir. Ah là là, mais faut que l'obscurité tombe et la nature s'endort. Vas-y, déjà. Pourquoi nous agitons-nous encore? C'est super chiant ça par contre, on passe 3 jours. Oh putain de merde. Non, n'épargnez personne. Niveau PVC, c'est à gérer. On ramasse, il y a du collier. Hein. Et du PO. Alors, on se remet tous là. Alors, le collier. J'ai 2 colliers, tiens. Collier de coquillage porcelaine x 1. Qui bah toi. T'en as pas un. Hein. On va faire dans l'ordre. Et maintenant, voyons voir. J'ai envie de voir quand même un peu ce qu'il y a. Pas vous? Ah, ça passe, cool. Ça passe pas. D'accord. Et du coup... Ah, ok. Donc il y en a 3 qui sont bien dans le orange au poids. On se découvre ça ensemble. Hein. Ouais. Parce que c'est vraiment... Je sais pas, cet endroit... Il ne se mouille pas, c'est ça? Pour ceux qui ont péri. Oh pff. Attends, tu vas pas tout seul, mon grand. Ok, alors on va juste aller dans l'inventaire, on va redonner les flèches. Parce que bon, ça, Osef, on remet par terre. Voilà. C'est très étrange, hein. Voilà, il n'y a qu'une qui a compris. Donc il n'y a rien du tout là. D'accord. Bon. Allons ici maintenant. Voilà. 7 points d'expérience. Ouais, c'est pas... Ah, on peut pas y remonter. Putain, mais c'est quoi cette zone, bordel? Puis on fait les zones de nuit. N'épargnez personne. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Comment ils arrivent à louper, bordel? Ah, un petit anneau d'argent. Ouais, bon, j'ai bien fait d'arrêter. L'anneau d'argent, tu vas le donner. T'en as eu, toi? T'en as déjà eu un. Toi, tu en as un. Toi, tu n'en as pas. Voilà.
N'épargnez personne. On dirait un vieux qui parle en fait. Bon, en fait c'est juste des hommes boucs je crois. Hein. Putain la vache, la zone quoi. Je comprends pourquoi ça prend des centaines d'heures de jeu. Ah bah on est arrivé là en bas. Je sais même pas si c'est important en plus d'explorer les zones ou quoi. C'est la première fois que j'y joue hein. Ah on... pas grimper là. Ah non. Bon, on va remonter. Ah d'accord, faut aller là. Putain, c'est... J'ai l'impression d'être toujours de nuit, moi, je sais pas pourquoi. D'accord, super, ça sert à rien. Ouais, j'aurais pas 100% de la map. Allons ici. Bon, de toute façon, il y a un moment, je vais arrêter. Je vais pas y aller à 100%. Hein. On fait juste ça et puis on change de zone. Hein, parce que depuis tout à l'heure... Hein. Et alors, je lui ai frappé la tête. Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce que... Récupère des flèches, c'est pas mal. L'obscurité tombe et la nature s'endort. Pourquoi nous agitons-nous encore? 80 le maximum, d'accord. Et maintenant, où c'est fait? Et maintenant, où? Bon, bah on va quitter la zone. Hein. On finit juste cette petite zone, enfin ce petit truc-là. Bonjour. Portal Bédarné. Hein? Qui? Mon poumon, il est tout sale et tout foutu. Hors de mon jardin, Vandal. C'est dur d'être un ermite lorsqu'on n'arrête pas de vous harceler de questions sur la nature, même sur l'existence, même de l'existence. Lisez des livres, c'est un ordre de Portal Bendarwinden. Putain. Votre jardin? Non, attendez, je voudrais discuter, bénéficier de vos lumières. Ouais, je sais pas ce que c'est. Épargnez-moi vos âneries, vieux fou. Rendez-vous donc utile. Alors quoi? Une information, un objet peut-être? Excusez-moi de venir ainsi troubler votre quiétude. Nul doute que vous ayez feu vœu de solitude. Bon, on va mettre la troisième, on va faire ça soft. Ah oui, sans compter mes habitudes personnelles ennuyeuses. On ne refuse pas un conseil quand on en a besoin. Mais s'il faut écouter quelqu'un débiter des proverbes et des évidences sans arrêt, ça peut devenir lassant. C'est pire que des fourmis qui volent le fromage, si vous voyez ce que je veux dire. On a du mal à vous regarder en face. Si je voulais des commentaires sur ma mise, je vous aurais fait signe. Bah, j'ai pas le temps à perdre avec vous. Vos insultes sont très déplacées. Je voulais juste vous parler. Il suffisait de dire non, je vous laisse. Allez, vas-y. Attendez, vous avez mal interprété mes propos. Je suis parfois un peu trop direct, mais je parlerai franchement. Je voulais dire qu'il est difficile de regarder votre aura. Elle est exceptionnellement fugace. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un comme vous, mais j'ai l'impression que votre espèce ne vit pas longtemps. Je vous prédis une mort violente, mais je ne vois pas votre avenir. Vache, il semblerait que votre pièce soit sur la tranche. Assez blagué. J'ai perdu votre temps et le mien, laissez-moi. Merci, c'était génial de discuter avec toi. Tiens, on va aller juste déverrouiller ce petit truc là. Et après, tac. Oh la vache, en fait c'est loin. En fait c'est grave loin. Bon, on va laisser ça comme ça, on les voit avancer, je suis prêt à mettre espace au cas où. Enfin, espace, hein. Vous avez compris. Pause.
Oh, mais t'es sérieux? Ok. Bon bah, je te refile les flèches alors. Voilà. Niveau flèche, on est bien. Je sauvegarde avant parce que... Ah, voilà, c'est là qu'il faut qu'on aille. Ah, bah, vous savez quoi, on va même faire une super tellement belle sauvegarde. Nouvelle sauvegarde... pour le 11. Je sais pas pourquoi je mets épisode à chaque fois, c'est juste chiant, mais bon. Et moi, je vous donne rendez-vous jeudi. Allez, ciao tout le monde.